Bonsoir. Depuis quelques jours, Christian Pendaïkoka défrait la chronique. L'économiste et conseiller à la présidence de la République a simplement choisi de ne plus se taire, au regard selon lui de la dérive dans laquelle le Cameroun est lancé. Face à ces sorties, des réactions fusent, soit pour l'encenser, soit pour dénoncer sa démarche. Traître et opportuniste pour certains, homme de conviction et esprit libre pour d'autres, l'ancien cadre de la SNI, la Société nationale d'investissement, n'a pas encore vidé sa bile. En effet, Christian Pendaïkoka, comme l'indique CPE, je veux dire comme l'indiquent les initiales de son nom, est un ancien directeur des études et des projets de la Société nationale d'investissement, poste pour lequel il a démissionné. Ancien administrateur délégué de l'hôtel Hilton de Yaoundé, fondateur du cabinet d'un cabinet conseil, il a prêté ses services aux institutions de Bretton Woods avant d'atterrir à la présidence de la République. Je rappelle également qu'il est membre du RDPC. Dans l'échange que nous aurons, bien sûr, avec lui, ce soir, le proche collaborateur de Paul Biya promet de rester droit dans ses bottes. Christian Pendaïkoka, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita Tongo. Vous sentez bien? Mais bien entendu. Pas de problème, pas de pression? Non, non, je suis serein. Je n'ai même pas de bile parce que vous dites que je déverse la bile. Non, vous n'en avez pas encore, vous n'en avez pas du tout? Non, je n'en ai pas du tout. Je n'en ai pas du tout. Alors, à quoi ressemble une journée de Pendaïkoka? Je veux dire... entre la semaine dernière et... J'ai des consultations. Par exemple, ce matin, j'ai fait une conférence pour une organisation, pour une entreprise. J'ai fait une conférence ce matin pour la COFAS, voilà, et avec des hommes d'affaires. Donc vos journées sont toujours aussi pleines. Absolument, sur les problèmes, n'est-ce pas, d'industrialisation du Cameroun, parce que vous savez que nous vivons aujourd'hui une sorte de processus de désindustrialisation. Absolument. D'accord. Et nous sommes dans une situation où le Cameroun importe, j'ai dit, plus de 600 milliards de francs CFA de denrées alimentaires. Mm-hmm. Hein, et où, en même temps, il y a un paradoxe d'être un pays qui a un immense potentiel agricole, pastoral et halieutique. Et vous pouvez imaginer que... le déficit de la balance de paiement, de la balance commerciale est aujourd'hui de l'ordre de 1,88 milliards de francs CFA. Et que si cette situation persiste, elle va avoir des effets sur les finances publiques, mais notamment sur la balance des paiements, sur les réserves de change qui vont s'assécher, et avec une menace éventuellement de changement de parité de la monnaie, c'est-à-dire autrement dit de dévaluation. Et il y a risque... Allez-y. OK. Alors, je pense que c'est dans le cadre, pour quelqu'un qui observe l'économie du pays, j'ai l'impression que nous n'avons pas tiré tous les enseignements de la crise des années 80, c'est-à-dire du milieu des années 80. Les causes qui nous ont entraînés à la crise sont aujourd'hui en train de réapparaître. Vous voyez ce que je veux dire? Et normalement, si on ne fait pas attention, les mêmes causes produisant les mêmes effets, on risque d'y tomber encore, c'est-à-dire l'endettement improductif. On prend des dettes pour financer des projets qui ne seront pas rentables. Et naturellement, il va falloir chercher de l'argent ailleurs, que nous n'arrivons même plus à gagner, parce que, si vous voulez, nous sommes dans un cycle où la production de pétrole est en train de diminuer. Et ça, c'est grave, parce que vous le ressentez au niveau de la structure des échanges et de production du Cameroun. En fait, elle est restée pratiquement stable tout au long de 30 années. C'est-à-dire, si vous observez bien, c'est toujours 6 à 10 produits qui représentent 80%, n'est-ce pas, de nos exportations. Et c'est souvent 6 à 10 produits qui sont des produits non transformés, qui sont des produits bruts, entre coton, café, fèves de cacao, pétrole brut, n'est-ce pas, bois scié ou alors bois scié, mais qui sont vraiment faiblement transformés, vous voyez ce que je veux dire. Absolument. Et lorsque vous voyez le poids du pétrole lui-même là-dedans, il est de l'ordre de 34%. Lorsque vous additionnez les autres produits que j'ai énumérés là, que ce soit le coton, le café, le cacao, le bois brut, vous arrivez pratiquement à des pourcentages de l'ordre de 65%. Donc vous voyez que vos exportations dépendent vraiment des produits dont les cours sont volatiles. Et ça vous montre immédiatement comment votre économie peut être vulnérable. C'est-à-dire que l'économie camerounaise est vulnérable aux chocs externes. Il a suffi que les cours du pétrole commencent à se détériorer pour qu'on le ressente.
Absolument. Par exemple, nous sommes passés d'un cycle où, de 2012 à 2016, le taux de croissance moyen au cours de cette période était de l'ordre de 4,9%. Il est tombé en 2017 à 3,5%. Vous voyez ? Donc, il y a un impératif même de pouvoir diversifier cette économie. Et quand vous regardez le secteur industriel, c'est un secteur, en fait, qui se nourrit d'intrants importés et qui transforme ces intrants en produits qui sont essentiellement vendus sur le marché local. Et ces produits étant vendus sur le marché local, ils ne nous rapportent pas de devises. Absolument. Et quand vous voyez, quand vous achetez par exemple le yaourt, vous avez acheté le yaourt, c'est de la poudre de lait qui est importée. La poudre de lait, c'est quoi? C'est finalement le lait de vache ailleurs qu'on a déshydraté. On le déshydrate. Quand vous le ramenez ici dans le processus de fabrication de yaourt, vous remettez de l'eau là-dedans. La même chose, quand vous achetez des jus de fruits, si vous prenez la peine de lire dans la boîte, vous allez voir que ingrédients, jus de fruits concentré. Donc c'est un jus d'ananas. C'est un jus d'orange et un jus d'autre chose. Vous voyez que ce jus d'ananas, c'est un jus d'ananas qui a été... L'ananas a été planté ailleurs, produit ailleurs. Il a été concentré, on a importé le concentré. Et ça, c'est grave comme économie, ça. C'est-à-dire c'est une économie qui est en plus faiblement intégrée. C'est-à-dire que vous avez des industries qui sont au milieu, mais qui n'ont pas d'intégration en amont. Vous aurez bien voulu avoir des élevages de vaches laitières qui produisent le lait à l'industrie, qui fournissent le lait à l'industrie, et ainsi de suite. Vous auriez à avoir des plantations, par exemple, d'ananas, et ainsi de suite, qui produisent ces ananas, ou des oranges qui produisent les oranges à l'industrie, l'industrie qui les transforme, et voire même les exporter en dehors du Cameroun. Parce que c'est un peu ce que nous enseigne le cas d'industrialisation de l'Asie. Vous voyez ? Et quand vous n'avez pas ça, vous avez une économie où les liaisons, où la densité industrielle, les liaisons inter-industrielles sont très faibles, c'est un danger, et vous devez tout faire pour essayer, n'est-ce pas, de orienter ça différemment pour l'intégrer davantage d'amont en aval. C'est-à-dire, si vous faites une production, on va dire quoi, une production de tomates fraîches quelque part, vous aimeriez voir que cette tomate fraîche a été transformée en concentré de tomates et que c'est comme ça que le concentré de tomates vont se retrouver à 6000 km, 12000 km de Yaoundé, enfin, je veux dire du lieu de production en tant que tel. Et que les planteurs, les agriculteurs qui produisent ces tomates ne seront même plus demain. Ou dans, sur quel marché mondial leur production va se retrouver. Et quand aujourd'hui nous consommons les concentrés de tomates en provenance d'Italie, je ne suis pas sûr que l'agriculteur italien sait même que sa tomate, nous sommes en train de consommer cela au Cameroun. Alors, quand vous expliquez tout cela, tout ce qui paraît... Et c'est un peu ce genre de discours que je te laisse ce matin, hein, n'est-ce pas? Ah d'accord, avec vos partenaires. Ben, je veux dire, pour revenir un peu, avant de revenir dans le fil, quand vous expliquez tout cela à votre patron, est-ce que vous comprenez son attitude à ne pas promptement réagir? Le problème, c'est que je ne sais pas... C'est probablement des questions de méthode de travail. Je ne sais pas s'il ne réagit pas vite. Il peut donner des instructions, n'est-ce pas? Mais c'est des sujets assez complexes. Il peut donner des instructions et puis les instructions ne sont pas suivies. Maintenant, je ne l'ai jamais dédouané parce que j'ai toujours dit qu'il est l'ultime responsabilité d'un système de gouvernance dont il est le patron. Alors, dans donc votre... ça, c'est clair et net. Mais j'ai vu comment... Le processus décisionnel est organisé au Cameroun. L'autre jour encore, je parlais à une télévision où je disais que, mais attendez, nous sommes dans un pays où vous avez pratiquement deux instances décisives, deux instances de décision, le secrétariat général et les services du Premier ministre. Et on appelle le Premier ministre le chef du gouvernement. Or, je ne vous apprends rien en disant qu'il y a un dossier qui peut rentrer par le gouvernement, par un ministère, n'est-ce pas? Il est traité, il est même traité jusqu'à sa finalisation, n'est-ce pas? Et le même dossier... On va recommencer le traitement, n'est-ce pas, dans les services de la présidence de la République. C'est-à-dire, vous créez vous-même, c'est-à-dire que vous-même, organisant le travail, vous créez deux instances qui vont se neutraliser. Et très souvent, vous allez observer des conflits entre ces deux instances-là. Vous comprenez? Et même dans l'organisation du gouvernement, vous allez voir des chevauchements de responsabilités entre plusieurs ministères. Mais ça, c'est la personne qui fait l'architecture de son gouvernement qui doit veiller à ce qu'il n'y ait pas ce genre de chevauchement parce que le chevauchement de responsabilité crée toujours des conflits. Maintenant,
Si vous me posez la question, est-ce que ça aurait pu être organisé autrement? Mais bien entendu, parce que vous avez un niveau, le niveau de gouvernement, qui est un niveau opérationnel, vous avez le niveau de la présidence, qui est le niveau qui donne la vision, l'orientation. Donc, ça aurait pu se faire de la manière suivante. Lorsque le chef a donné l'orientation, n'est-ce pas? Ceux qui sont au gouvernement doivent concrétiser ces orientations, les matérialiser. Ceux qui sont au niveau de la présidence font ce que j'appelle de la veille stratégique, c'est-à-dire veiller à ce que la concrétisation soit en alignement avec les orientations du chef. Mais les orientations du chef ne sont pas données au hasard. Les orientations du chef sont données pour la satisfaction des besoins et des aspirations des populations. Et donc, c'est assez facile. Quand le chef dit, par exemple, que dans un discours, campagne électorale, promesse et tout, je veux que toutes les populations, à l'issue de mon mandat, n'est-ce pas, de 7 ans, 2011, je veux qu'en sortant de ce mandat, toutes les populations aient accès à l'électricité. Au moment où il part, en 2011, le taux d'accès à l'électricité des populations est connu. Et on va dire, il est peut-être de, on va dire quoi, 50% ou 40%. Et il dit, moi je veux qu'à l'issue de ces 7 ans, tous les Camerounais aient accès à l'électricité. La même chose pour l'eau potable et ainsi de suite. Il peut dire que je veux également que, n'est-ce pas, qu'il y ait plus 80 enfants par classe, qu'il y ait probablement 50 enfants par classe, que le nombre de médecins soit de un médecin pour médecin généraliste, hein, un médecin pour 5000 personnes, un médecin spécialiste, un médecin pour 3000 personnes ou pour 7000 personnes. En tout cas, vous avez des indicateurs Absolument. De performance qui sont chiffrés. À ce moment, les ministres qui sont en charge de ça, sous la houlette du chef de gouvernement, transforment ces orientations, parce que ce sont des promesses, des engagements du chef de l'État par rapport aux populations. Les ministres sectoriels transforment ces engagements en plans d'action. Ces plans d'action qui sont adossés à des feuilles de route, où on peut voir clairement comment de 2011, on va cheminer graduellement vers les 100% du taux d'accès à l'électricité pour les populations. Région par région, vous pouvez le voir. Les stratégies sont mises en place et ces plans d'action, qui sont des plans d'action opérationnels, moi je verrais très bien que le président, le chef du gouvernement, je veux dire, vient avec ses ministres, un par un, négocier ces plans d'action, naturellement, au niveau du monitoring, c'est-à-dire de la présidence. Ok, il y a des arbitrages, les gens discutent, bon voilà, ici, non, vous dites que vous allez le faire en 5 ans, nous on pense que vous pouvez le faire en 4 ans, c'est-à-dire ce genre de discussion, quoi, en ajustant ici, en ajustant là. Une fois que cela est fait, ici, du côté gouvernemental, on signe du côté de la présidence, parce que c'est des engagements. Qu'est-ce qui reste à faire après? Les autres, les gens qui sont là font de la veille stratégique, c'est-à-dire qu'ils surveillent. Est-ce qu'il y a des dérapages? Est-ce qu'il y a des dysfonctionnements? Parce qu'il peut être très facile. L'histoire, par exemple, de la CAN, hein, on a aujourd'hui on a des retards au niveau des infrastructures, mais cette chose est faite de cette façon. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire les feuilles de route sont faites et ainsi de suite pour voir l'état d'avancement de tout cela et que le moment venu, on puisse le faire. Mais on peut le faire surtout et c'est ça. Là. Donc, à ce niveau, c'est un niveau stratégique, c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République. Et j'ai toujours été très concerné. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'à un moment donné, j'ai tout entendu. Hein. Il y a des gens qui sont allés dans les télévisions pour dire que vraiment le profil de Penda Ekoka ne correspondait pas au profil de la présidence et ainsi de suite. Parce que c'était un opérationnel. Non, je veux dire que réellement, les Camerounais, c'est-à-dire s'aventurent à dire des choses sur des gens. Moi, je ne parle jamais des gens. Je parle sur tous les sujets. Je parle des problèmes et j'essaie de donner des solutions. Mais quand j'entends ce genre de contre-vérité, ça m'amuse énormément. Parce que j'ai travaillé à plusieurs endroits à la fois. Vous l'avez rappelé à la SNI. Ensuite, j'ai créé un cabinet de consulting qui faisait du consulting international pour, en fait, le compte des organisations internationales, mais adossé au pays, au gouvernement. Donc, je donnais du conseil au gouvernement. Aucun de mes collègues, à la SNI, quand il vous entendait dire que Penda Ekoka n'est pas intéressé par la stratégie, mais il rigolerait. Parce que, justement, de par ma formation, de les par stratèges. Mon intérêt, absolument, c'est la stratégie. C'est la stratégie qui m'a toujours intéressé. Non, donnez-moi un peu le temps. C'est ça qui m'a toujours intéressé. Vous voyez? Parce que c'est vraiment le lieu de définition, n'est-ce pas, des objectifs et tout ça. Et on doit comprendre que le terme stratégie, stratégos, veut dire changer le rapport de force en votre faveur. Et vous comprenez que si je vais conseiller le chef de l'État, la première chose qui va m'intéresser à ce niveau-là, c'est la stratégie.
parce que je veux que le Cameroun change de rapport de force dans le monde. Et il faut non seulement comprendre votre environnement où vous êtes à l'intérieur du Cameroun, mais il faut comprendre également l'environnement qui nous entoure au niveau du Cameroun. Même quand je compare les chefs, je conseille les chefs d'entreprise. Il y a des gens qui sont allés aussi loin de dire que oui, lui, on aurait dû le nommer directeur général d'une entreprise au ministre. Mais je rigolais. Mais quand vous allez dans un business school, mais dans le business school, vous avez, on vous enseigne de la stratégie, essentiellement. Et ceux qui font beaucoup de stratégie, il faut voir les multinationales qui n'ont que ce terme. Mais comment est-ce que vous restez de stratégie aussi longtemps auprès du chef de l'État, convaincu de ce que vous pourriez changer les choses de l'intérieur? Est-ce que je suis là depuis 30 ans? Connaissant les goulots d'étranglement, vous n'êtes pas dit c'est bataille perdue? Quelle était votre conviction? Non, pendant la huitaine d'années, tel que je suis en train de vous le dire, là, écoutez, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait des études de finance, j'ai fait des études de management. Et quand vous dites management, des études d'économie, mais surtout quand vous dites management, par définition, vous êtes en train de parler de stratégie. Absolument. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est la stratégie qui m'intéresse. Et dès que je suis arrivé, dès qu'on a commencé à me consulter, avant que je n'aille même au palais, quand on a commencé à me consulter, à me poser des problèmes par rapport à ce qui se passait au Cameroun, j'ai commencé à avoir des problèmes de stratégie. Et dès que je suis arrivé au palais, une des choses que j'ai constatées en regardant l'organisation du cabinet civil, j'ai vu clairement qu'il y avait un problème de vide stratégique. Ça, c'est clair. Il y avait un problème de vide stratégique et j'ai commencé à en parler avec, n'est-ce pas, le directeur du cabinet civil de l'époque. Bon, il le sait, hein, le comité de veille stratégique, j'en finissais pas. Je crois d'ailleurs qu'à un moment donné, je lui disais, mais essayez de faire une réunion dans votre village d'état-major en Kinizop pour nous réunir, parce qu'il y a une réunion d'état-major. Une réunion d'état-major parle de quoi? Parle de stratégie. Et même quand le nouveau arrive, il est nommé le 2 mars, et j'ai une note datée du 5 mars, et je crois probablement que c'est la première note qu'il a reçue, où je lui parle essentiellement, n'est-ce pas, du rôle stratégique du cabinet civil. C'est-à-dire qui est l'engin, le véhicule qui est censé porter et projeter l'ambition politique du chef de l'État. C'est-à-dire que vous intéressez surtout, monsieur le député Tongo, vous intéressez surtout au cabinet civil, ça j'imagine, hein, pas le côté protocolaire et intendance, parce que je voyais des gens qui venaient me rendre visite quand ils venaient. Dès qu'il venait, il me disait qu'il semble qu'il y a une chambre ici, il y a toutes les devises. Donc c'est le côté qui les intéressait. Mais c'est vraiment le côté stratégique qui doit intéresser les gens. Dites-moi, comment vous expliquez-vous donc, avec toute cette pertinence que vous essayez de démontrer, vous aviez le monde du cabinet civil, du secrétaire général, peut-être du gouvernement contre vous, face à ce qui paraît être... Je vais des seuls dans le monde, je vais des tout le monde. Vous êtes sûr que j'ai le monde... Vous ne donnez pas l'impression du contraire. On vous voit seul dans cette bataille, on vous voit seul... Mais bien entendu, moi je ne suis pas enchaîné. J'ai dit que seuls les esprits libres peuvent s'exprimer. Jusqu'à ce soir, est-il encore correct de vous donner du monsieur le conseiller? Mais pourquoi pas? Mais hier, l'autre jour, vous voulez voir mon décret, parce que moi... Je veux surtout voir le badge. Non, vous voyez, le badge, c'est pas le badge, moi j'ai pas... Vous voulez peut-être le décret, mais vous voyez, attendez, le badge, vous allez voir. Dans le décret, je crois que j'ai pris connaissance. Vous avez... parce que ça vous intéressera, hein, parce qu'il y en a même qui n'ont pas vu la signature du président. Donc, vous n'avez pas encore vu la signature du président. Tenez, je l'ai déjà vu. Vous avez vu? Bon, tenez, alors, regardez. Je l'ai vu, je l'ai en bas. Regardez. C'est ça, c'est ça, non? Absolument. Voilà. Je voudrais prendre quelques morceaux choisis, des réactions que j'ai pu parcourir. Et peut-être, je vous remets vos documents. Et peut-être vous allez me dire, j'en ai sélectionné trois. Oui. Je commence par celle-là, c'est des citations. Pendekoka est un homme dont l'ADN respire la traîtrise. Il est devenu très heureux conseiller technique du président Biya après avoir trahi le courant des modernistes avec certains autres, bon, je n'ai pas cité, devenus, je ne vais pas non plus citer. À l'époque, en 2004, il écumait des radios et télévisions avec de l'argent qui leur avait été versé. En plus des promesses de poste pour vilipender en chantant des louanges de fidélité au clairvoyant Paul Biya et au RDPC. D'où vient-il, 12 ans après s'être vendu à M. Biya sur le dos d'un noble combat moderniste, qu'il vienne nous raconter sa nouvelle vie de pucelle politique? Nous serons là pour lui parler les yeux dans les yeux en l'attendant en exil. Pierre Mila a sauté.
Moi, je ne parle pas des gens. Je ne me reconnais même pas dans ces choses. Vous savez, j'ai dit les choses publiquement. En fait, vous savez, vous avez suivi une vidéo d'Éric Tshindié. J'ai souvent reçu Éric Tshindié. Non, mais est-ce que vous avez suivi une vidéo dont vous l'avez reçu. Oui. Quand vous l'avez reçu, il a dû parler de moi. Certainement. Dans vos émissions. Absolument. D'accord. Maintenant, il a sorti une vidéo, il vous parle de moi depuis 1988 et une émission qu'on avait faite en 90. Ça fait donc 30 ans. J'ai bonne souvenance. Vous avez bonne souvenance. Donc, le télé des rares à avoir pris la parole à cette époque. Voilà. Donc, il cherchait des invités. Alors, exactement. Donc, je crois quand même qu'il y a une consistance dans mes propos. Je sais que c'est Mila qui a fait cette sorte, mais moi, je ne parle pas des gens. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Les gens ont leurs propres problèmes personnels, ils savent pourquoi ils le font. Moi, je ne parle pas des gens. Mais j'ai écrit, je me suis exprimé publiquement. Je n'ai pas d'aigreur, je n'ai pas de frustration. Depuis mon enfance jusqu'à maintenant, je peux vous dire que j'ai mené une vie totalement heureuse. Je n'ai pas un problème de frustration quelconque. Je n'ai même pas de haine vis-à-vis des gens. Je parle du Cameroun, des problèmes du Cameroun et des solutions qui peuvent améliorer les conditions de vie des Camerounais. Absolument. C'est ça vraiment qui m'intéresse. Quand quelqu'un se lance dans ce genre de colibé et de diatribe à mon endroit, non. Changer le couloir. Oui, enfin, ça me laisse à 37. D'accord. Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vois que ce sont ces gens qui ont des problèmes avec eux-mêmes. Moi, je n'ai pas de problème avec moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Une chose que j'ai constatée au Cameroun, malheureusement, c'est ça qui m'amène même à faire le courant agir pour qu'on essaie de changer les mentalités. Les gens aiment parler, on aime parler des gens, on aime insulter les gens. On s'intéresse très peu aux problèmes et naturellement, forcément, à la résolution de ces problèmes. Mais si on s'intéresse peu à nos problèmes, comment va-t-on les résoudre? Absolument. Il y a un jour, je faisais une cotisation, j'étais avec des gens à l'Aïdo, on était en train de... Les gens voulaient faire une cotisation et tout. Bon. Je ne sais pas, quelqu'un... Les gars étaient en train de... Pendant qu'on discutait, les gens étaient en train de... Chacun trouvait le moyen de dire que vraiment, pourquoi il ne doit pas cotiser. J'ai dit non, attends. Bon, avant de parler de moi et tout ce que je fais, là, donne d'abord ton argent, parce que l'argent va servir à résoudre les problèmes, n'est-ce pas, pour aider les gens et tout. Bon, d'accord. Parler de moi, ça, c'est pas important. On peut toujours continuer parce que, vous savez, les gens parlent de vous pour différentes raisons. Vous direz mais pareil vous savez que les gens, Mange Kobila qui a également fait une réaction. Mais bien entendu. Moi, je ne vais pas vous dire pourquoi il est venu chez moi. ni ce qu'il a amené chez moi, ni ce que je lui ai donné, ni ainsi de suite. Non, ça c'était... Ça rentre dans le même panier. Non, mais je veux dire, je l'ai rencontré chez quelqu'un que vous aviez d'ailleurs reçu ici, un dignitaire de chez nous, là-bas que je l'ai rencontré, Honorable Kurimanga. Absolument. Et puis, il m'a dit, grand frère, vraiment, j'aimerais vous voir, et ainsi de suite, et tout ça. Et j'ai dit, bien tiens, tu viendras à la maison, à l'Aïdo. Et puis, bon, voilà quoi. Et tout ce qu'il est en train de sortir aujourd'hui, je ne m'y reconnais pas. Et il rentre dans des choses, il parle du ministre d'État Esso. Il ne connaît même pas l'intimité de nos rapports. Je ne sais pas si vous imaginez. Vos rapports sont corrects avec le ministre d'État? J'ai dit bien, il ne connaît même pas l'intimité de nos rapports. Jusqu'au moment où vous entrez dans ce studio? Ce que je suis en train de dire, vous parlez, il parle, il ne connaît pas l'intimité de nos rapports. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. C'est-à-dire, les gens s'ingèrent dans des choses qu'ils ne comprennent pas. En fait, ils s'ingèrent dans des choses qu'ils ne comprennent pas et ils se mettent à en parler. Mathias Serré-Koronan-Guigny, dans sa réaction également, estime que c'est de l'opportunisme et que vous avez déjà choisi clairement éventuellement le candidat que vous soutiendrez. Parce que l'occasion faisant le larron, nous sommes en période électorale, donc votre sortie est politiquement calculée. Pour soutenir, par exemple, Maître Akere Mouna, dont vous êtes également un ami. Je ne sais pas sur quoi il se base, encore une fois. Honnêtement, je ne sais pas sur quoi il se base. Monsieur Dipita Tongo, je ne sais pas sur quel fait il se base. Si je vous dis le nombre de fois où Akere et moi, on s'est rencontrés,
assis comme ça, vous allez être étonné. C'est plus de deux fois. Moins. Pas plus. D'accord. Peut-être deux fois. Alors dites-moi. Peut-être deux fois. Mais je veux dire, sur la base de quoi les gens peuvent sortir ce genre de choses? Bon, à la limite, il est parmi les candidats, puisque j'ai dit que je vais en soutenir un. D'accord. Forcément, il est parmi, n'est-ce pas, dans l'univers des possibilités ou dans le champ des possibles. Il serait dans le champ des possibilités de candidats que je pourrais choisir. Mais je ne sais pas ce qui peut autoriser quelqu'un à venir sur un plateau de télévision, à dire péremptoirement qu'il sait que c'est ce candidat que je vais choisir. Et on lui demande sur la base de quoi? Et il dit non, c'est une question d'amitié. Et quand j'ai entendu ça, je suis vraiment étonné. D'accord. Je suis surpris et surtout c'est de la part de, alors vous considérez... la part des gens pour lesquels je pouvais avoir une certaine sympathie ou j'ai une certaine sympathie. Je me dis mais je comprends alors, pas. Enfin, voilà. Vous êtes toujours conseiller à ce jour et évidemment, peut-être je ne suis pas dans les secrets des dieux, le président Biya n'a pas encore décidé autrement. Si Paul Biya est réélu, au soir du 7 octobre 2018, vous continuerez à assumer vos fonctions de conseiller? Non, mais je vais vous dire, moi j'ai expliqué ma position honnêtement en disant que peut-être ce que vous ne voyez pas, mais que moi je vois, c'est que voilà un président qui a pratiquement donné sa vie au service public. Je ne sais pas pourquoi les gens ne peuvent pas le voir. Et que pour moi, rendu au crépuscule de sa vie, il mériterait de se reposer. C'est ce que je vois. À la limite, j'ai dit, il mériterait même qu'on lui donne le temps d'écrire ses mémoires. Parce que ce sera un héritage, un legs pour les générations présentes à venir. Absolument. Et dans ma façon de réfléchir, mais alors très librement, je vois à l'intérieur de ce parti politique, c'est-à-dire le RDPC, deux factions. Une faction, un camp, en fait, qui a fait du président leur agneau sacrificiel, leur bouc émissaire, alors au sens littéral du terme, il devient pour eux le rempart de tous leurs maux, leur agneau expiatoire de leur forfait, n'est-ce pas? Et ils veulent qu'il se représente pour cette raison-là, mais pas pour autre chose. Pas pour le Cameroun, mais bien évidemment, pas pour le Cameroun, pas pour l'intérêt général. Comment ça se ferait à ce moment-ci présent? Et il y a un autre camp auquel j'appartiens, n'est-ce pas, qui est en train de lutter pour que cela ne se fasse pas. Parce que c'est presque un acte, je vais dire, meurtrier, n'est-ce pas, de vouloir qu'un homme de cet âge, parce qu'il y en a qui y arrivent, mais ils n'ont pas encore fait ce que lui il a déjà fait. 50 ans de votre vie, chaque jour, à faire ce genre de travail, à avoir le poids de tout un pays, de toute une nation sur vos épaules, n'est-ce pas? C'est absolument difficile. Et que, moi, voyant ça, ce n'est pas contre le président que je suis en train de travailler. C'est contre ce camp. En réalité, je suis en train de poser un acte de libération du président qui est pratiquement pris en otage par ces individus. Et vous dites que le président n'est pas conscient de cette prise d'otage? Lui, il ne réalise pas ce que vous avez pu observer? Mais on va voir, il est possible qu'il le réalise. Mais je suis en train de... Pour le moins, ce que je vous dis, c'est que ce que je fais, ce n'est pas un combat contre le président, parce que si vous voyez un peu ce que je vais dire, je veux dire que ça, quelque part, c'est... Non, je vois que ce camp, que vous aussi vous voyez d'ailleurs, s'il passe, nous sommes partis pour pratiquement 30 ans de désolation, de détresse, d'abomination. Le président, vous comprenez ce que je veux dire? Le président a-t-il la capacité de passer en se défaisant de ce camp-là et qui fait peut-être au profit du vôtre? Il devrait pouvoir le faire. Donc il n'y a pas de risque? C'est ça qui serait salutaire pour lui et pour le pays. C'est ça qui serait salutaire pour lui. Autrement, avez-vous le sentiment, pour le pays. Avez-vous le sentiment qu'il est conforté dans ce camp-là également? Il se sent
Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne pense même pas. Moi, je suis en train de parler, je pense au Cameroun. Hein. Il y a des gens qui ont dit des choses sur moi. Je rigole. D'accord. Ça ne m'intéresse pas. Mais je suis en train de penser au Cameroun, à l'intérêt général. À l'intérêt général. Et je pense que dans la solitude de sa conscience, il devrait pouvoir prendre une décision majeure. Je répète, dans la solitude de sa conscience, seul, dans la solitude de sa conscience, il devait prendre une décision qui doit être de l'intérêt du Cameroun, des Camerounaises et des Camerounais. Et pour vous, la solution, c'est de s'arrêter le 6 octobre? Moi, c'est le 6 ou le 7? Bon, je vous dis, l'élection, c'est le 7, donc jusqu'à la veille. Ah oui, de s'arrêter la veille. Sinon, on va le faire arrêter le 7. Non, je veux dire de parler aux élections. Quoi qu'il se... Ah bon, d'accord, dans ce sens, oui. Oui. Ça, pour vous, c'est la solution radicale. Il reste toujours libre. Mais moi, ma solution de dire que je ne le soutiens pas consiste à le libérer, n'est-ce pas, de cette prise d'otage. C'est une prise d'otage, le terme est peut-être symbolique, mais il a tout son sens, parce que ça risque même d'être quelque chose de prise d'otage, au propre comme au figuré, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment un acte pour moi qui est... En ne le soutenant pas. Pour vous, jusqu'où sont-ils capables d'aller, les preneurs d'otages, président? Je ne sais pas jusqu'où ils sont capables d'aller. Le président pourrait-il décider de s'en défaire, qu'il refuserait? On serait dans le clash? Qui serait dans le clash? Le président peut-il vouloir se défaire de ceux dont vous disiez qu'il est otage? Et ceux-là s'opposeraient? Ce serait possible parce que... Ils ont la capacité de s'opposer au président et de l'en empêcher. Je l'ai vu dans certains des dossiers que j'ai traités. Des dossiers que je traitais en disant aux gens que voici ce qui était l'intérêt du Cameroun. Et qui s'opposaient à ce que je présentais comme un intérêt du Cameroun. Et à ce moment-là, je m'adressais directement au président par d'autres moyens. Et le président me donnait raison. Et je voyais comment, en fait, il faisait ces choses. C'est-à-dire, une loi arrive pratiquement jusqu'à sa table pour qu'elle soit promulguée. Il ne la promulgue plus. Vous voyez? C'est-à-dire que c'était effectivement ce qu'on disait que cette loi, moi je disais que la loi ne doit pas être promulguée. Parce que si elle est promulguée, elle le sera contre l'intérêt du Cameroun. Alors vous voyez, vous faites des manœuvres. Finalement, le président vous donne raison, il ne promulgue pas la loi. Mais en fait, il ne le dit même plus à ceux qui le poussaient à promulguer la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Absolument. Et à ce moment-là, vous commencez à voir, parce que moi, quand j'allais au palais à l'époque, il y a des gens qui me disaient, mais vraiment, celui qui avait l'habitude, puisque j'écris au Cameroun hein, depuis pratiquement une quarantaine d'années, des gens qui me disaient, vraiment, il va y aller, mais qu'est-ce qu'il va y faire? Mais ce que ça m'a donné réellement comme possibilité, c'est de voir ce jeu-là de l'intérieur, de voir comment... Lui se bat comme un diable dans un bénitier pour essayer de s'échapper à des gens qui essayent de faire des entourloupettes, n'est-ce pas? Et voilà, il essaie de le faire, mais il le fera jusqu'à quand? À un moment donné, la vigilance faiblit. La vigilance faiblit. Mais la vigilance faiblit, c'est normal. Mais qu'est-ce qui l'empêche de s'en débarrasser? Ben, on va voir. C'est bien le président. Mais justement, on va voir. C'est pour ça que je dis que c'est lui qui est l'ultime responsable. On n'a pas beaucoup parlé de Christian Koka, le militant du RDPC. Oui. Quel est votre rôle dans le parti? Comment vous vous y déployez? Quel est votre rapport? Non, je me suis déployé davantage avec le secrétaire général Joseph Charles Doumba, okay. N'est-ce pas? Parce que je vous ai dit que, vous savez, je n'ai pas commencé d'aujourd'hui, hein. Quand j'ai démissionné de la SNI, j'avais quoi, 39 ans et j'ai démissionné de la SNI à cette époque. Je n'ai pas 40 ans, soit 191. Et je commence ma vie de consultant international. Donc je suis en Éthiopie et mon épouse me dit qu'on vient de me nommer chargé de mission. Vous voyez les méthodes de l'époque, on vient de me nommer chargé de mission du RDPC. J'ai dit, mais enfin, je n'ai pas été consulté, je n'ai même pas une vie de militant. Donc, 92, je ne suis pas allé. Je dis, mais on ne m'a pas conseillé. Enfin, ce n'est pas des méthodes. Je ne suis pas allé. OK. Je crois qu'à ce moment-là, si vous vous souvenez,
le ministre Marafa et tout ce monde-là avaient été nommés. Ce sont les gens de ma génération. Ils ont même fait campagne quoi, à l'époque. En juillet 92, les élections de 92, là. Mm-hmm. Moi, je ne suis pas allé. J'ai dit non, je n'ai pas été consulté, je ne vais pas. Et puis, ce qui s'est passé, bon, j'ai observé le champ politique. Je me suis dit, oh, au fond, comme je vais participer, parce que j'ai fait une émission ici avec vous, je vous ai dit, il faut que les jeunes gens s'intéressent à la politique. C'est vraiment un champ de définition, c'est un champ important. Donc, j'ai dit non, non, non. Et il faut que je participe. Alors, 4 ans après, Joseph Charles Doumba, lui, était toujours là. Et il disait, il était toujours en train de me chercher parce que c'était quelqu'un qui était, les gens ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui était vraiment alerte et tout. Donc, j'entre maintenant dans le parti. Et en 96, et là, il aimait bien les gens qui réfléchissaient, il aimait les gens qui écrivaient, il aimait la pensée. En fait, il aimait la pensée. Il aimait la pensée, il avait fait un groupe de gens qui réfléchissaient autour de lui. Et vous savez, l'élection présidentielle de 97, en fait, les gens ne le savent pas. C'est mon livre qui était le livre de campagne, Cameroun vers le troisième millénaire. C'était ça, mon livre qui était, parce que comme on était à l'aube du troisième millénaire, je faisais un peu un livre de prospective. Et c'est ce livre qui a été reçu comme livre de campagne dès cette époque. Et je me souviens de M. Joseph Charles Doumba qui me disait que, bon, voilà, il faut que je fasse une dédicace au président de la République par rapport à ce livre. Donc j'écris, je fais ma dédicace et puis il amène le livre au président. Mais comme c'était un metteur en scène vraiment hors pair, quand il revient de là, on se met à me chercher dans toute la ville. On me dit que le ministre de Charles Doumba me cherche et quand je reviens, il me dit c'est le plus beau jour de sa vie, le plus beau jour de sa vie. Mais j'ai dit pourquoi? Il me dit mais vous voyez, il venait de voir le président. Je ne comprenais toujours pas. Il me dit, j'ai vu le président, j'ai présenté votre livre, votre dédicace. Mais alors, dans une mise en scène extraordinaire, il me dit, mais quand il a lu votre dédicace, je l'ai entendu susurrer, merci, merci, merci 3 fois. Et il me dit, le président a dit qu'il va vous recevoir. Il a dit ça, pas une fois, pas 2 fois, il a dit ça 3 fois, 4 fois, qu'il allait vous recevoir. Il me demande à un moment donné, comment vous sentez-vous? Je lui dis, mais vous voulez que je me sente comment? Il faut vous préparer. Mais croyez-moi, je n'ai jamais été reçu par le président à ce moment-là. Ça va le soir. Parce que c'était quoi? C'est sûr que lui, il est sorti de l'audience avec le président en leur disant, inscrivez telle personne pour lui dire parce que le président doit le recevoir. Et naturellement, cet environnement, ils ont tout fait en disant, mais attendez. Et c'est résolu. Bon, voilà, c'est un peu ça, quoi. Mais, par contre, avec lui, mais je suis comme ça, j'ai observé. Mais, au bout d'un certain temps, lui-même, je me rends compte que, quelque part, il n'est pas... C'est un système qui lui échappe. Mais vraiment qui lui échappe. Il a beau être doué de bonne volonté, bonnes idées, et ainsi de suite, le système-là lui échappe. C'est pour ça qu'en 2003, nous commençons à faire germer cette idée de modernisme, c'est-à-dire, en fait, c'est une idée de renouveler le parti, de réformer le parti. Et je ne suis pas dans la trahison de M. Joseph Charles Doumba. Au contraire, on continue à avoir de très bonnes relations, mais je lui dis que je pense qu'il faut réformer quelque chose. Un souffle nouveau. Oui, oui, oui. Et là, j'ai de très bons rapports aussi avec Grégoire Ona. Mais alors, de très bons rapports, parce qu'il ne se passe pas, je veux dire, il ne se passe pas 2 semaines sans qu'on se voit, sans qu'on se parle, et ainsi de suite, par rapport à cette idée de transformer. Mais au bout d'un certain temps aussi, je me souviens très bien, là, j'étais chez Grégoire, qu'il faut du courage pour faire le saut. Et j'ai identifié un certain nombre de gens que j'ai compris qu'ils ne pouvaient pas faire le saut. Bon, donc, nous, on a décidé de faire le mouvement. Mais c'est une chose où il faut beaucoup de courage. Et c'est surtout le courage qu'il faut. Et dans son mouvement, on vous a suivi courage. Non, 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 mais là, il n'a pas suivi. C'est pour ça que je vous dis. Il n'a pas... Mais on avait
on avait de très bons échanges, il était d'accord sur tout ce qu'on pouvait dire, mais je vous dis, il fallait à maintenant un moment donné, faire. Absolument. Ouais, à un moment donné, toujours, il faut toujours faire ce saut. Mais quand vous devez faire ce saut, pour certaines personnes, il y a plein de contingences Absolument. Qui vous retiennent. Vous pouvez penser à plein de choses et tout au même moment, et ça devient un peu comme des chaînes, n'est-ce pas, qui vont vous empêcher de faire le saut. Ou alors, si vous faites le saut, vous allez sentir qu'il y a des chaînes Absolument. Qui vous retiennent quelque Alors part. aujourd'hui, vous avez créé donc le mouvement Agir. Je veux dire, ce sera quoi la différence? Toujours dans cet esprit de moderniste, hors du RDPC ou au sein du RDPC, vous comptez Non, 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 convaincre? ce n'est pas un mouvement au sein du RDPC. Là vraiment, j'ai constaté, monsieur le député, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que vraiment, le pari du Cameroun, c'est sur sa jeunesse. D'accord. C'est sur sa jeunesse. Et je vois les défaillances, de leadership, par exemple. Il faut qu'on entraîne les gens sur le leadership. Et il faut qu'il y ait un changement de mentalité. Il faut sortir du défaitisme. Je rencontre beaucoup de jeunes gens. Malheureusement, je me rends compte que ils sont défaits. Ils sont défaits. You know, we want to be the movement that is going to give the voice to the voiceless and the hope to the hopeless. L'espoir à ceux qui en ont besoin. Et c'est pour ça que vous voyez, je dis dans le mouvement, quelle que soit votre condition initiale, vous pouvez toujours changer votre destin. Quel que soit, parce que c'est ce que je sais, je ne suis pas un défaitiste. Et concrètement, ça se matérialise comment sur le plan politique, économique, social? Quel est le cheval de bataille? Nous allons avoir une influence sur les politiques. Avoir une influence sur les politiques, à former les gens, n'est-ce pas, pour apporter des réponses, des solutions concrètes à leurs problèmes, mais surtout pour avoir de l'influence sur le champ politique, parce que vous savez que je considère le champ politique comme un champ important. Parce que si je vous dis que la ville de Nkonsamba était une ville très dynamique, la différence de population entre Nkonsamba et Douala n'était que de 20 000 habitants, vous ne me croyez pas, mais aujourd'hui, Nkonsamba, c'est comme une ville fantôme. C'est l'ombre, cette ville est l'ombre d'elle-même. Et la preuve, c'est que dans ces années-là, Nkonsamba, dans les années 50, Nkonsamba avait déjà une banque centrale. Pour que Nkonsamba ait une agence de banque centrale, ça vous dit tout, parce que les banques commerciales étaient connectées à la banque centrale, ça vous dit tout sur le dynamisme de cette ville. Et vous voyez comme ça, même des villes comme Iseka, vous voyez des villes qui ont perdu de leur lustre au nord, des villes comme Maroua, Mora. Mais qu'est-ce qu'elle a manqué au Cameroun? Mais c'est parce que je vous ai dit la dernière fois que c'est votre système institutionnel. Okay. Un système institutionnel, c'est parce que je ne veux pas répéter, enfin peut-être je vais le répéter, les latins disaient repetitio mater scientiis, la répétition est la mère de la science. Je vous ai dit, les institutions politiques, n'est-ce pas, déterminent beaucoup, n'est-ce pas, les dynamiques de prospérité, les dynamiques économiques et les dynamiques sociales. Si vous donnez de l'autonomie à ces communes, à ces régions, pour que, à la tête de ces régions, ils soient des gens qui sont élus par leur population. Ces gens auront à rendre compte à ces populations-là. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que l'histoire du développement a montré. C'est comme ça que le développement émerge. C'est ça. Des systèmes qui sont comme les nôtres, des systèmes monolithiques, finissent par produire, n'est-ce pas, une pensée unique, et finissent par se scléroser et se refermer, et ont très peu d'incitation. Alors, vous, dans ce genre de système politique, vous vivez de quoi? Vous vivez de népotisme, vous vivez de clientélisme, n'est-ce pas? Vous vivez de clientélisme, vous vivez de favoritisme. Ce n'est plus l'effort qui est célébré, ce n'est plus le mérite qui est célébré. Du développement. Et ce genre de système politique contamine le secteur des affaires. Donc, à ce stade de l'évolution du Cameroun, la régionalisation et le système politique qui pourrait nous permettre d'atteindre les points de croissance Absolument. À deux chiffres, par exemple. Mais je vais vous expliquer. Vous avez un peu la vision de Cabral Libye qui est pour la régionalisation? Non, c'est peut-être... Oh, non, enfin, je ne vais pas me disputer les visions. Je suis quand même l'aîné de Cabral. Je crois qu'il dit ces choses depuis Je veux dire que de tous les candidats, c'est celui qui est droit dans ces... Oui, mais si c'est cela, je le félicite pour cela. D'accord. Et j'ai déjà reçu Cabral. Hein. Okay. Alors, vous m'accolez plein de gens, mais je vous dis que Cabral, je l'ai reçu deux fois chez moi. J'ai discuté avec eux.
Serge Matomba. C'est donc inspiré de vous, par exemple. Serge Matomba aussi, je l'ai reçu espoir. J'ai discuté avec lui. Moi j'aime bien voir comment ça, c'est les promesses de demain. Je suis content qu'ils se soient engagés dans cette action politique-là. C'est les promesses de demain. Donc, je suis content de les voir là. Je discute justement parce que par rapport à ces idées, n'est-ce pas, de changer. Parce que quand je dis aux gens, donnez-moi une seule explication de pourquoi une ville comme Bafoussam, où les gens se lèvent à 4h du matin, travaillent dur, ou Bamenda, où les gens se lèvent à 4h du matin, travaillent dur, donnez-moi une seule explication du niveau de détresse où se trouvent ces villes-là. L'explication n'est que politique. C'est-à-dire que si cette ville de Bafoussam avait une autonomie de décision par rapport à son urbanisation, ce n'est pas ce que ce sera. Si elle avait une autonomie de décision par rapport au stade qu'il doit construire, ce n'est pas le genre de stade que vous avez à Bafoussam qui se serait construit. Et s'il y avait deux régions, région du nord-ouest et région de l'ouest, qui sont des régions voisines, et s'ils avaient une espèce de région avec une autonomie, c'est que la route entre Bafoussam et Yaoundé, et Bafoussam et Bamenda, ne serait pas une route, ce serait une autoroute. Et elle serait construite depuis longtemps. Et c'est aussi la raison pour laquelle le barrage hydroélectrique de Mentioum est un projet depuis 20-25 ans et n'arrive jamais à se réaliser. Alors que si cette ville, si cette région retrouvait son autonomie, n'est-ce pas, il le ferait. Est-ce que vous savez que la province de Québec, au Canada, la province de Québec, puisque les ressources naturelles sont du ressort des provinces dans ce régime fédéral, la province du Québec produit l'électricité, exporte l'électricité aux États-Unis, mais exporte également l'électricité, enfin, vend l'électricité également à une autre province, c'est-à-dire la province de l'Ontario. Vous comprenez? Donc, voilà la province du Québec qui, en fait, est maître de ses ressources naturelles. Il y a une espèce de péréquation du point de vue, n'est-ce pas, de l'impôt, ainsi de suite, quand ça va au régime central, au système central, pour répartir peut-être vers les provinces les moins nanties. Mais de toute manière, ce que je dis, c'est que la province du Québec produit l'électricité, vend cette électricité à New York, donc aux États-Unis, et vend également à l'Ontario. Vous voyez, cela est, voilà. Et pour moi, que des villes comme Mooramaroa soient dans l'état où elles sont aujourd'hui, c'est-à-dire quand vous regardez l'incidence de pauvreté qu'il y a au Cameroun, la plus forte, c'est au niveau de la région du Nord, de l'extrême Nord, ainsi de suite. C'est inadmissible, parce que le paysage de ces villes pourrait complètement changer, le paysage de ces régions et de ces villes pourrait complètement changer. Il suffirait simplement que ces régions retrouvent leur autonomie. Comment vous pouvez m'expliquer qu'un barrage comme le barrage hydroélectrique de Lac d'Eau, la décision de réhabiliter ce barrage doit se faire à Yaoundé? Il y a ce barrage a pratiquement, je crois, ce barrage a 4 turbines, n'est-ce pas, de 72 mégawatts. Et au fond, voilà, de ces 4 turbines, il n'y en a qu'une seule qui marche. Et pour réhabiliter, je voyais comment le dossier était traité à Yaoundé au niveau du ministère de l'Énergie. Comment les gens faisaient des va-et-vient, parce que ça se traite là. Et des gens, eux, sont, non, ils n'ont pas d'électricité. Ils n'ont pas d'électricité, ils ont un barrage. Quelles sont les erreurs qui ont été commises justement dans la réhabilitation de ce barrage? Mais le barrage n'a jamais été... Pourquoi? Justement, à cause de ce genre de processus décisionnel. Mais vous croyez que les gens qui sont aux prises de leurs propres problèmes, mais ça devient prioritaire pour eux. Ce n'est pas prioritaire pour celui qui est en train de décider pour eux et qui est à Yaoundé. Mais ça devient une urgence si les travaux de réhabilitation du barrage devaient se décider à Garoua, et c'est-à-dire dans la région du Nord. La réhabilitation de ce barrage deviendrait prioritaire pour eux. Et je crois que ça se déciderait très vite. Vous voyez? Et ils seraient en mesure d'exporter l'électricité jusqu'au Tchad et jusqu'au Nigeria. Vous voyez? En faisant les lignes de transport jusque-là. C'est la même chose. Parce que les gens vivent au quotidien avec leurs problèmes, avec leur géographie, n'est-ce pas? Avec leur environnement, pour dire ça plus largement. Et je pense que, in fine, c'est ça le sens de la politique. Il s'agit simplement d'organiser les institutions politiques, pas au bénéfice de ceux qui les dirigent, mais d'organiser les institutions politiques au niveau, au bénéfice des populations, M. Dipita Tongo. C'est d'organiser les institutions politiques au bénéfice des populations. Et quand vous voyez cette équation simple, que nous devons organiser les institutions politiques au bénéfice des populations,
concrètement, vous arrivez tout de suite à comprendre que la région de l'Est, à laquelle vous avez donné une annexe universitaire, par d'une décision d'une administration centrale, cette région de l'Est que vous appelez une région pauvre, mais celle qui a pratiquement toutes nos ressources minières et forestières, par cela, cette région n'est plus pauvre. Elle s'organiserait, elle saurait se gérer, et cette région n'aurait pas simplement une université. Probablement, elle pourrait avoir deux universités. Et elle aurait certainement, n'est-ce pas, des écoles d'ingénieurs, des écoles des eaux et forêts, beaucoup plus dynamiques que ce qu'on peut trouver aujourd'hui dans d'autres régions, ou en Balmayo, et ainsi de suite. Vous voyez, parce que même les gens qui partiraient d'autres régions du Cameroun pour aller s'installer à Bertoua, à Batouri, et ainsi de suite, cesseraient de penser à leur région d'origine. Parce que m'étant déplacé de Douala pour aller m'installer à Batouri ou à Bertoua, pour quelque raison que ce soit, n'est-ce pas, et me sentant toujours Camerounais à Bertoua et à Batouri, je m'intéresserai davantage à la ville de Bertoua ou à la ville de Batouri. Ces précisions font partie des réformes que vous avez proposées qui ont été rejetées? Non, ce n'est pas une question de proposition. Moi, vous savez, la crise anglophone, je l'ai traitée de la même manière en disant qu'il faut qu'on ait un dialogue inclusif pour que la solution se trouve. Mais le problème, c'est surtout qu'on s'assoit autour d'une table pour discuter de ces choses. Je veux dire que vous ne pouvez pas voir que c'est ça la solution. Et vous regardez que 96 à maintenant, n'est-ce pas, ça fait quand même 22 ans. Pourquoi ça traîne? Et 22 ans, il y a beaucoup de choses qu'on a ratées de cette manière-là. Il y a des vies, il y a des coûts sociaux énormes. Mais j'ai une expression, je dis, le monde va très vite, le Cameroun va trop lentement. Le monde va très vite, le Cameroun va trop lentement. Et ça, c'est au niveau de l'organisation des processus décisionnels. Mais quand je le vois, les gens m'ont demandé, quand je fais des notes au palais, il y a des moments où des communes, vous allez dire ça au président, je dis, mais c'est pour ça que je suis là. Non, c'était, vous allez lui écrire ça, je dis, mais pour ça que je suis là. C'est-à-dire, je lui disais, il y a des changements que je lui demandais de faire. Et il y a des jeunes collègues, quand ils voyaient, ils me demandaient, mais vous allez lui écrire ça, je dis, oui, mais c'est pour ça que je suis là. Vous comprenez? Donc, parce qu'il faut changer les mentalités. On n'est pas là en même temps. En même temps, justement, il y a un certain nombre de projets qui, en principe, devraient pouvoir transformer notre économie qui a été lancée. Le port en eau profonde de Kribi, les différents barrages pour la production énergétique. C'est vrai que ça traîne un peu sur le réseau routier, mais là également, on peut espérer. Ça traîne simplement un peu? Peut-être beaucoup, peut-être 80%. Enfin, je veux dire que même ceux qui sont réalisés, c'est peut-être, on va dire, 20% de ce qu'il y avait. Parce qu'en fait, il y avait à peu près 27 projets structurants. D'accord. 27. Si on peut, voilà. Alors, vous aviez à peu près 27 projets structurants. Là, vous parlez à peu près de 5 projets, hein, de ceux qui ont vu le jour. Deuxième pont sur le Voulis, vous savez ce que j'en pense, de faire un pont sur un autre pont. Ça aurait pu se faire autrement, ça, j'en ai déjà parlé à votre émission. Le port de Kribi, j'en ai déjà parlé à votre émission. J'en ai parlé largement pour dire que ça, c'était la charrue avant les bœufs. Le barrage hydromaking, j'allais déjà dire que non, il n'était pas censé être construit. Absolument. Non seulement il n'était pas censé être construit, mais il va se construire avec un coût excessif. Là où on devait avoir 1 million à 1,5 million de dollars par kilowatt, on va terminer ça à 20 millions, c'est-à-dire à 20 millions de dollars par kilowatt. Il devait commencer à peu près à 25 milliards, il va se terminer aujourd'hui à 100 milliards. Vous comprenez rien à ça. Et c'est 15 mégawatts, hein. C'est rien que 15 mégawatts. Et vous avez un projet comme celui de Mimvélé qu'on commence. À un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez terminé le barrage, c'est-à-dire l'usine, et il faut évacuer l'énergie. Et là, vous commencez à vous poser la question sur la ligne de transport. Mais je dis, mais attendez, comment est-ce qu'on peut faire un projet et à un moment donné oublier cela? Et c'est là où c'est peut-être ça que les gens confondent quand je parle des projets. Mais ils croient que c'est ça le truc principal. Et je dis ceci, mais quand j'étais directeur des études de projet à la SNI par définition, ma direction n'était pas définie une direction stratégique. Moi, je réfléchissais, je concevais les projets. J'en ai fait le chantier naval, l'eau minérale et plein de projets comme ça que j'avais, le Hilton et ainsi de suite. J'avais plein de projets. Et je gérais donc des gens qui faisaient les projets. Par exemple, à un moment donné, quand vous avez fini de les concevoir, la stratégie, n'est-ce pas, de ces projets-là et tout, vous avez des équipes que vous déléguez sur le terrain pour en suivre le chantier.
Par exemple, pour le projet Hilton dont on parle, Monsieur Béringagil Roger, qui malheureusement, l'ancien directeur de la SIC, qui était mon collaborateur, et malheureusement qui est aujourd'hui en prison, c'est quelqu'un que j'aimais bien. Mes sentiments n'ont pas changé. Quand on travaille, on a eu une bonne collaboration. Et c'est lui que j'avais délégué pour surveiller le chantier du Hilton. Et il avait bien fait. Et voilà. Et donc, c'est ce que je faisais. J'orientais, je donnais les orientations et puis je déléguais les gens pour surveiller les choses. Et à un moment donné, quand on voit ces projets traîner, il vous faut une équipe stratégique pour faire de la veille stratégique et commencer à... N'est-ce pas? C'est comme des tableaux de bord. Oui, faire des simulations, avoir des tableaux de bord, avoir des feuilles de route pour contrôler. C'est un peu comme si vous contrôlez une navigation, quoi. Parce que vous savez bien que vous avez votre altimètre, vous savez à quelle latitude vous devez être, vous avez le tableau de bord, vous devez le surveiller pour faire tout cela. C'est une question de veille stratégique. Et aujourd'hui, on se rend compte que la plupart de ces projets, y compris les engagements du chef de l'État, parce que quand il a fait sa campagne en 2011 à Douala, il y avait plein d'engagements qui avaient été pris, ou le commissaire agro-pastoral, n'est-ce pas, de Bolova, il y avait plein d'engagements qui étaient pris. Mais lorsque ces engagements sont pris, ce que je constate une fois, c'est que quand ces engagements sont pris, je m'en vais, je dis, mais attendez. Ebolova, elle avait même dit, mon cabinet y veillera personnellement. Alors, je retourne au palais, je dis, mais attendez, le président vient d'engager le cabinet. Mais alors, ça nous demande, n'est-ce pas, un travail méthodique et systématique. Et vous faites un plan. Et en fait, les gens ne sont pas, ils sont pas habitués à ça. C'est pour ça que c'est à ce niveau-là que les changements doivent se faire, parce que moi, je les ai vus. Mais j'ai bien vu que vous êtes... On parlait aux gens de stratégie, mais ils ne voyaient pas de quoi je parlais. Je voyais bien qu'on disait que mais le président vient de prendre un engagement. C'est un engagement important. Il dit que mon cabinet verra personnellement. Quand le président le dit, ça veut dire qu'il faut un autre type d'organisation au niveau de son cabinet pour que la parole du président ne soit pas démentie. Mais ça demande un autre type d'organisation. Ça, c'est du niveau de la stratégie. Ça demande de l'organiser différemment. Et puis... Dans le niveau stratégique, vous devez être anticipatif, vous devez être proactif, vous ne devez pas subir les événements. Il se trouve, malheureusement, M. Tongo, que nous subissons les événements. Nous subissons les événements. Et c'est pour ça que on décèle toujours chez nous des maladies en phase terminale. Parce que vous n'avez pas mis en place un système de veille stratégique qui vous permet de déceler. On voit les signaux. Exactement. Vous voyez les signaux, vous saisissez des signaux, vous comprenez les signaux, qu'il y a des dysfonctionnements, il y a des dérapages, il y a des dévoiements. Mais faut ça vous envoie. Quelle est la politique économique adaptable au Cameroun aujourd'hui? En fait, vous êtes dans une situation où l'État doit vraiment être un État stratège. Et le secteur privé, il faut créer. Chaque fois, on parle des conditions, n'est-ce pas, propice à attirer l'investissement privé. Or, vous voyez chaque fois que, par exemple, cette question du Cameroun Business Forum, qui devait être un mécanisme de dialogue public-privé. Absolument. Et je l'avais conçu parce que j'avais gagné ce marché-là avec la Banque mondiale et la SFI. Et quand j'ai gagné ce marché m'a amené en Chine et au Vietnam, pour voir comment des pays qui étaient des pays communisants, n'est-ce pas, comment ils avaient opéré la mutation. Mutation. C'est très important. C'est-à-dire passer d'une économie dirigée à une économie libérale. Et comment ils avaient... Et quand je fais le Cameroun Business Forum, je m'inspire de ce que je vois au Vietnam et en Chine. Parce que le Parti communiste chinois avait fait un changement profond de philosophie, de perception de l'entreprise. On passait d'une situation où on regardait l'entreprise, les entrepreneurs comme de fiefs capitalistes, exploiteurs et tout, à l'entreprise privée qui contribuait au progrès économique et social du pays. Ça, c'était un changement majeur. Et à partir du moment où le gouvernement, le Parti communiste chinois avait opéré ce changement de perception, il a également opéré un changement d'attitude vis-à-vis du secteur privé. On est passé d'une attitude de méfiance à une attitude de confiance. Et le secteur public, le secteur privé
ont commencé à travailler main dans la main. Et ces gouvernements ont commencé à adopter des politiques qui soient plus favorables, n'est-ce pas, au développement du secteur privé, non seulement localement, mais également au plan international. C'est pour ça qu'une des choses où, quand vous voyez un secteur public qui continue encore à faire des tracasseries aux privés, aux initiatives privées, aux entrepreneurs, à ceux qui prennent les risques, parce que c'est eux qui prennent les risques, n'est-ce pas, de créer, de s'aventurer sur les mers extérieures, d'aller sur les marchés extérieurs, qui ont l'audace de le faire, mais ils demandent d'être portés. Or, qu'est-ce que moi je dis souvent au secteur privé? Les gens m'ont dit tout à l'heure, c'est très intéressant à savoir, pendant que je suis en train de faire cette conférence, il y a quelqu'un qui me dit, vraiment, M. Pendaïkoka, vous qui êtes là-bas, j'espère qu'il y a de l'espoir là-bas. C'est un homme d'affaires qui parle comme ça. Je lui dis, mais attendez, non. C'est vous qui devez faire en sorte qu'il y ait de l'espoir. Parce que vous, on prend vos impôts. Mais je lui demande, mais quand vous payez les impôts, vous ne demandez pas de contrepartie? Ou alors quand vous appelez cotiser dans le parti politique, là, vous venez seulement cotiser sans demander une contrepartie? Mais c'est vraiment une attitude extraordinaire d'être entrepreneur, homme d'affaires, femme d'affaires, et de venir cotiser, de payer les impôts, mais ensuite d'être vassalisé. C'est-à-dire, vous donnez le fouet pour qu'on vous frappe. Vous dites qu'aux hommes d'affaires, faites la révolution? Non, mais ils ont des demandes, ils ont des doléances. Vous ne verrez pas le MEDEF le faire. Le MEDEF, comme vous avez vu la dernière fois, les candidats sont partis voir le MEDEF. Justement, le Cameroun Business Forum est la plateforme. Mais vous avez bien vu ce que c'est devenu, parce que j'avais conçu ce que j'avais vu en Chine, c'était vraiment un dialogue inter-pares. Un dialogue, c'est entre égaux, j'allais dire, entre partenaires, hein. Même la manière dont les gens s'asseyaient face à face. Quand vous voyez cette histoire aujourd'hui du Cameroun Business Forum, bon, je suis parti au palais, mais moi je regarde de loin, ça a été fonctionnalisé. C'est devenu une affaire où quand le Cameroun Business Forum, les gens se déplacent, mais le Premier ministre se déplace, le ministre, c'est complètement fonctionnalisé, c'est devenu une histoire protocolaire et l'environnement des affaires ne s'est pas amélioré. Les problèmes que les chefs d'entreprise avaient dénoncés à l'époque, il y a une dizaine d'années, quand on concevait ça, les impôts, la complexité des impôts, je vois que ça n'a pas toujours changé, c'est toujours les mêmes doléances qu'ils ont. Les problèmes d'infrastructure, l'énergie, tout, c'est toujours les mêmes problèmes qu'ils ont. Les problèmes de tracasserie administrative, c'est toujours les mêmes problèmes qu'il y a. Donc, vous voyez un pays où, d'année en année, on ne peut pas dire que les choses se sont améliorées. Au niveau du port de Douala, les coûts et les délais de passage n'ont pas été réduits, alors que la réforme portuaire était censée réduire les coûts et les délais de passage. Et on voit que ça n'a pas été réduit. Donc, d'année en année, n'est-ce pas? Et le monde, lui, ne nous attend pas. Le monde, lui, va très vite. Alors que le Cameroun a une position stratégique unique. Le Cameroun, logé au cœur du golfe de Guinée, est le pays qui appartient à la fois physiquement à la CEDEAO et à la CEAC. C'est-à-dire que le Nigeria étant notre voisin, étant à la CEDEAO, mais le Nigeria est plus proche du Cameroun que le Ghana ne l'est du Nigeria. Et le Ghana et le Nigeria et la Côte d'Ivoire sont de la CEDEAO, alors que le Nigeria est à côté de nous. Donc vous avez un marché de 190 millions d'habitants. Et du côté de la CEAC, vous avez la République démocratique, la RDC, où vous avez plus de 80 millions d'habitants, l'Angola et tout ça. Si vous faites le calcul de tout ça, vous faites plus de 350 millions d'habitants. Donc, si en tant que pays, nous étions leaders dans la promotion de l'intégration régionale, immédiatement, on verrait qu'on créerait là un marché de 350 millions d'habitants. Si, au niveau des politiques publiques, vous créez des espèces de chambres de compensation avec le Nigeria, vous permettez de faire un marché commun avec le Nigeria, rien qu'avec ces deux pays-là, vous impulsez immédiatement des échanges qui sont extraordinaires, parce que ça fait 190, voire 200 là-bas, et vos 25 ici, ça fait immédiatement 225 millions d'habitants. Mais c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est ça quand on est leadership, c'est ça qu'on doit faire. On prend les devants. Alors, nous sommes l'intégration régionale, vous créez ce marché et vous allez voir immédiatement que si vous avez une vision de Douala, que Douala devrait devenir une espèce de plateforme, parce que quand je parle de Douala, je parle de la conurbation côtière, vous intégrez Limbé, Tiko, Douala et tout ça, vous voyez, parce que quand on est à ce niveau-là, oui, on peut prolonger jusqu'à Kribi, bien entendu,
vous voyez tout de suite que vous avez une vision de politique, parce que c'est ce que je veux. Vous venez de créer une plateforme où, qui devient un siège régional pour les multinationales qui vont préférer venir s'installer au Cameroun, mais pour toute cette sous-région-là. C'est ça que vous devez avoir comme vision de politique et de leader. Que je veux faire du Cameroun la plateforme, la plaque tournante pour les multinationales, donc qui viendraient installer leurs sièges régionaux ici. Et je veux faire de Limbé, de Tico, de Kribi, la base de production et de services pour la sous-région. Mais vous vous rendez compte en même temps que on fait le chantier naval, mais on dirait que ça a été fait par hasard. Je dis par hasard, pourquoi? Parce que après, vous ne voyez pas cette dynamique émerger. Le chantier naval, dont les chefs d'État disaient que ça devait être le fleuron de l'industrie, mais regardez dans quel état c'est. Dans un état absolument moribond. Il y a un yacht pétrolier qui a été construit à Limbé, qui devait être une base de service pour les réparations navales, la maintenance industrielle, n'est-ce pas, des bateaux et tout, pour la sous-région, mais y compris pour le secteur pétrolier. Mais c'est aujourd'hui, ça bat de l'air, c'est dans un état absolument moribond, comme si personne ne s'y intéressait. Mais monsieur le député Tongo, mais c'est ça le rôle d'un leader, d'impulser. C'est cela, n'est-ce pas? De changer complètement le paysage, de ne pas subir les événements, de ne pas subir la vie, d'avoir envie de transformer la vie des gens. Quand vous n'avez pas cette envie de transformer la vie des gens, vous subissez. C'est-à-dire qu'il y a ici, là, ce qui va arriver, c'est que l'eau est en train de tomber ici. Tout ce que nous allons faire, on va déplacer les chaises, on va se mettre là-bas. Ensuite, quand ça nous attrape, là, on change encore, on vient se mettre là. Non, il faut qu'on arrête et il faut qu'on aille de l'avant, qu'on change complètement. Ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans le monde, mais vous avez un essor démographique et une explosion urbaine. Vous avez pratiquement plus de 50% de la population camerounaise qui va vivre dans les villes, dans les conditions que vous voyez aujourd'hui au Cameroun. Mais ça, c'est une projection que vous voyez et vous le savez. Et vous vous dites que mais cette population qui va vivre en ville mais aura besoin de manger, aura besoin de se vêtir, aura besoin d'un certain nombre de loisirs, aura besoin des infrastructures éducatives, aura besoin des infrastructures de santé. Si vous voyez ça, parce que ça c'est un fait, vous changez complètement l'urbanisation de ces villes-là. Mais vous n'attendez pas que les gens se marchent sur les pieds, qu'il n'y ait plus de réseau d'assainissement, qu'il n'y ait plus de réseau de drainage, et vous subissez la vie. Non, vous devez la changer. Et pendant qu'il y a la campagne qui est derrière, avec les technologies qui arrivent, vous créez un mouvement où vous faites une sorte de liaison entre les zones rurales, le monde rural, en y créant, n'est-ce pas, des agro-industries qui seront rattachées au marché de consommation en ville, voire jusqu'aller dans le monde. Mais vous avez envie de transformer la vie des gens. C'est ça le problème du leadership. Le leader, il est devant. Et vous le suivez. Moi, je me souviens quand le président Jimmy Carter avait des problèmes aux États-Unis, c'est à sa suite que Ronald Reagan a gagné les élections. Et je me souviens d'un New York Times qui avait écrit Reagan avait comme une maquette, il était devant, il entrait dans la forêt et les Américains étaient derrière lui. Et le cartoon, la caricature disait we don't know where he's heading on, but we know he knows. We don't know where he's heading on, but we know he knows. Nous ne savons pas où il est en train d'aller, mais nous, nous savons qu'il sait. Donc c'est ça le deal, vous le suivez. Parce qu'on veut changer les choses. Le monde qui est en train de s'annoncer là, que ce soit par exemple au niveau de la révolution numérique, avec ce que vous avez comme les blockchains, l'Internet et tout, le mobile money et tout, les systèmes de transmission de connaissances, et qui va affecter complètement notre façon de faire, notre façon de vivre, notre façon d'acheter, notre façon de vendre, notre façon de faire la banque, demande qu'on n'attende pas. Vous avez vu ici des opérateurs de téléphonie mobile qui sont devenus des opérateurs financiers. Ils sont devenus des opérateurs financiers de mobile money sans législation. Et en fait, en l'absence de cette législation, Tous les coups sont permis. Ben, tous les coups sont permis. Et ça, ça s'est fait au détriment de certains PME, PMI qui auraient pu faire quelque chose dans ces secteurs-là. Et vous étiez en train de le subir. C'est-à-dire, subitement, vous voyez, les gens commencent à faire les transferts d'argent, commencent à faire ceci, cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ceux des Camerounais qui avaient entrepris dans ce secteur-là, mais ont été mis de côté.
Mais je ne vais pas les citer, mais vous comprenez, ils ont été mis de côté. Absolument. Parce qu'il n'y avait pas une législation. Parce qu'on était en train de subir les événements. Hein? Et aujourd'hui, je dis, lorsque je vois la crypto-monnaie avec les blockchains pour les transactions sécurisées, je vois ce qui est en train d'arriver. J'ai déjà sonné l'alarme en disant qu'il faut que la Banque centrale commence à s'intéresser à cela. Qu'elle ne suive pas cet événement pour que la crypto-monnaie, à un moment donné, rentre, n'est-ce pas, dans sa formalisation, pour qu'on ne subisse pas cet événement. C'est ça le rôle du leader. Il doit toujours être en avance et vous le suivez parce que vous vous dites, lui sait où le monde est en train d'aller, n'est-ce pas? Et nous pouvons le suivre. Et vous faites la démonstration, ça, parce que chaque fois que les gens vous ont suivi, ils ont vu qu'ils n'ont pas perdu. Mais si vous suivez quelqu'un, et en suivant, vous voyez que chaque fois que vous suivez, vous perdez. Vous le suivez, vous coupez la jambe, vous suivez, vous perdez tout. Mais vous ne continuez plus de le suivre. Parce qu'au fond, vous vous rendez compte que ce n'est pas un leader. C'est aussi simple que cela. Et là, je dis que le monde va très vite et le Cameroun trop lentement. Les changements, vous les voyez dans le monde. À un moment donné, j'ai dit aux hommes d'affaires qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver d'Asie. Ils m'ont dit, mais comment? J'ai dit, mais la Chine est devenue le premier partenaire du Cameroun. Ils n'ont pas les chiffres. J'ai dit que mais le volume de transactions entre la Chine et le Cameroun représente 32%. Celui qui était notre partenaire traditionnel, la France, je regarde les chiffres, je me dis à 20% en quelques années. Et donc, il y a déjà un écart de 12%. Et cette tendance va aller s'accentuer. Ça que vous voyez. Et elle vous dit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer de ce côté. Mais alors, on commence à crier la Chine comme menace, mais jamais nous n'essayons de transformer la Chine comme une opportunité. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, moi, j'ai déjà perçu cela. Mais derrière la Chine, vous voyez le point de l'Inde qui est en train d'arriver. Vous voyez ce qui est en train de se passer là? C'est cela, quand je dis, mes jeunes collègues qui sont au palais, au cabinet civil, savent que c'est ça mon discours. Moi, c'était un discours de stratégie, en disant d'ailleurs qu'il fallait réorganiser complètement cette affaire et que ce ne soit pas que quand les gens veulent aller à la mission aux États-Unis, vous commencez à faire, c'est un peu comme une satrapie, vous commencez à faire la cour aux gens pour que vraiment vous venez. Vous soyez dans la dernière mission. Oui, oui, vous venez saluer le directeur Kamé sur le soir quand il part et ainsi. Je dis non. Dans la réorganisation, quelles sont les pistes à suivre? Oui, mais c'est de réorganiser. Je vous dis, le nouveau directeur du cabinet civil qui est arrivé là, parce que moi, je suis plus à un âge où j'ai peur de quoi que ce soit. D'abord, je n'ai jamais eu peur. Ça, il faut être rassuré là-dessus. Monsieur Ayolo. Il s'agit du Cameroun. Il a été nommé le 2 mars. Le 5 mars, je lui ai fait une note sur l'organisation du cabinet civil. Mais bon, mais si vous vous intéressez à autre chose, si vous vous intéressez simplement au côté protocolaire, au côté intendance, naturellement, vous n'allez pas comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que je suis en train de parler des problèmes de stratégie. Parce qu'il faut un autre type de réorganisation. Si cet engin que j'appelle le cabinet civil doit être véritablement un engin qui porte, un véhicule qui porte, projette l'ambition d'un chef d'État. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, il faut des changements qui soient de nature stratégique. C'est cela qu'il faut. Mais quand vous le dites, si quelqu'un ne vous comprend pas, vous regardez. Mais moi, je fais mon chemin. Hein. Chacun doit faire son chemin dans la vie, moi je fais mon chemin. Mon chemin n'est pas déterminé par le cabinet civil. Concrètement? Non, mon chemin, je vous le répète, n'est pas déterminé par le cabinet civil. Je l'avais compris. Non, je pensais que vous n'avez pas compris, mais je crois que vous avez compris. Ça les a rassurés. Mais concrètement, quelle est la structuration que devrait avoir le cabinet civil aujourd'hui? Comment devrait-il être composé en termes de pôle? Vous avez parlé d'un point de stratégie. Et ainsi de suite. Oui, parce que si vous avez, disons, des unités qui sont là-dedans, parce que la spécialisation a pour avantage que, si par exemple je vous spécialise tout de suite sur la Chine, parlons par exemple de la communication ou de faire de la veille stratégique. Si je vous spécialise sur la Chine et je vous donne les moyens de surveiller, enfin pas de surveiller, c'est-à-dire de veiller à regarder ce qui se passe en Chine, vous allez avoir, vous voyez ce qui se passe en Chine. Si un autre est sur l'Amérique du Nord, mais il regarde l'Amérique du Nord, il commence à voir, n'est-ce pas, les trends, les évolutions qui sont en train d'y aller. Si quelqu'un est spécialisé sur la technologie, c'est ça qu'il va faire, n'est-ce pas, vous comprenez, sur la numérisation. Et ce qui arrive, c'est quoi? C'est que si vous devez aller en Chine, ça ne devient pas une faveur. C'est dans le cadre de votre travail, parce que c'est votre domaine d'intervention. C'est un besoin de service. C'est un besoin de service. Ça ne devient pas une faveur. Et ça devient trop souvent une faveur chez nous. Et c'est pour ça que quand je descends le niveau plus bas de l'organisation des services administratifs, qu'est-ce que vous retrouvez là-dedans?
vous ne trouvez qu'un haut responsable. Qui est haut responsable dans un ministère? Voire au premier ministre. Le haut responsable est encore président d'un comité de pilotage, de deux ou trois comités de pilotage. Donc, il court derrière les comités de pilotage, et souvent associé à ça, il y a peut-être un conseiller d'administration. Il court aussi derrière les conseillers d'administration. Et du coup, la fonction dont il doit s'occuper au niveau des ministères ou au niveau des services du Premier ministre n'est plus remplie avec efficacité. Vous m'avez posé la question. Vous voyez bien ce que je veux dire. Voilà. Et au même moment, vous vous rendez donc compte qu'il y a 20% des effectifs, n'est-ce pas, qui courent derrière les missions, derrière les comités de pilotage, et ainsi de suite. Et il y a 80% des effectifs qui ne sont pas occupés. Et là, vous voyez une sorte d'inefficacité dans l'organisation même du travail. Et sans parler des deux niveaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, du conflit entre les deux niveaux. Absolument. Donc, après, vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors, vous avez compris les deux niveaux. Les conflits de niveau, parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que les gens se mettent sur les pieds, il y a le chevauchement. Le niveau d'en haut ne comprend pas qu'il doit faire du monitoring, de la veille stratégique. Il se met à faire le travail que le niveau d'en bas fait. Le niveau d'en bas, lui-même, quand il voit que le niveau d'en haut est en train de faire son travail, est démobilisé complètement. C'est un peu comme si vous étiez dans un match et que le coach dit « donnez-moi le maillot ». Et il entre dans la chaleur de l'action. Automatiquement, il perd la distance nécessaire pour organiser le jeu. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, je dis, le niveau d'en haut, c'est un niveau stratégique. C'est un niveau de veille, c'est un niveau de surveillance pour voir que le niveau d'en bas fait cela. Mais en plus, quand vous allez au niveau d'en bas, il y a des chevauchements de compétences, il y a des gens qui courent derrière ci, derrière cela. Je vais vous emmener en quelques mots sur le champ politique. Nous sommes donc à la veille d'une élection. Vous avez certainement observé, vous avez cité deux tout à l'heure, candidats Cabral, Ibiche, Serge, Espoir, Matamba. De tous ces candidats que vous regardez, vous avez probablement jeter un coup d'œil soit sur des propositions qui sont faites, soit sur des projets, des programmes qui existent déjà. Vous pensez que lequel de tout cela se rapproche de la vision qui doit pouvoir porter le Cameroun? Bon, je crois que la situation est telle que quand vous regardez les propositions des candidats, il y a des éléments qui vont manquer, mais de manière générale, vous verrez toujours que bon, il y a des programmes qui sont plus ou moins faibles dans ces domaines, et il y a d'autres qui sont plus ou moins faibles dans d'autres domaines, et ainsi de suite. Donc, moi, je crois que lorsque je regarde, et puis quand je regarde les candidats eux-mêmes, j'ai deux catégories, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, je dis, bon, les jeunes ont leur avantage et leur inconvénient, les autres qui sont ont leur avantage et leur inconvénient, mais j'ai déjà dit que le moment venu, je les suis depuis un moment. Au moment venu, je sais, j'ai une idée du candidat que je vais soutenir et à qui je vais justement apporter mon expérience, mon expertise, ainsi de suite, parce qu'il faut absolument que les choses... Combien de candidats traverseraient 10? Sur nos devins, ouais. Traverseraient 10. Selon vos analyses? Ils sont combien là? Ils sont 9. Donc, 9. Si on enlève le candidat président sortant, ils sont 8, de 8 adversaires à Paul Biya. Et sur nos devins, bon. Ah bon, ils auraient peut-être. Peut-être on va dire que 5 auront peut-être 11. Il y aurait peut-être 2 qui vont avoir 13, 14. Et puis peut-être 1 qui va avoir une note un peu supérieure à cela. Personne en deçà de la moyenne. Non, moi, non. 10, c'est passable, hein, simplement. Alors, c'est pas une note extraordinaire. Je voudrais qu'on ressorte un peu par là. Maintenant, sur l'apport de la diaspora, comment transformer cette dynamique-là pour le Cameroun? Ben, justement, déjà, en les prenant en considération, c'est important de dialoguer déjà avec cette diaspora et de le montrer. Et ensuite, en leur donnant des facilités déjà de voyage. Avant même d'avoir la double nationalité, de donner des facilités de voyage. Pas que quelqu'un, quand il n'a plus l'autre nationalité, chaque fois il soit soumis pour venir au Cameroun à des visas. Parce que c'est des gens qui envoient beaucoup d'argent au Cameroun. Et vous devez créer des conditions pour que justement, même cette opération de renvoi d'argent au Cameroun soit, n'est-ce pas, une opération qui soit bénéfique au Cameroun. Et il faut que cette diaspora, exactement comme la diaspora des pays d'Afrique de l'Ouest, parce que la diaspora d'Afrique est vraiment privilégiée. Leur gouvernement les prend au sérieux. Quand le président se déplace, ou le premier ministre, ou les ministres, ils ont un traitement
ils sont vus, ils sont consultés. Parce qu'on sait que c'est une diaspora qui compte. C'est une diaspora qui peut apporter quelque chose. C'est Macron. Le problème de cette affaire, c'est toujours d'avoir l'impression qu'on a été exclu. Vous voyez, qu'on a été exclu. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut que cette diaspora soit incluse dans l'agenda de développement, les politiques de développement du Cameroun. Il faut que cette diaspora compte et qu'elle soit consultée. Moi, je vois, je travaille avec des gens qui vivent aux États-Unis et qui sont en train d'investir au Cameroun. Donc, je sais ce que ça veut dire, qu'il faut les considérer parce qu'au fond, ils sont en train de faire venir de l'argent, de faire des investissements, de créer de l'emploi au Cameroun, de contribuer à la croissance. Oui, et c'est important par rapport à cela. Mais vous n'avez pas parlé de la crise anglophone, vous l'avez laissé de côté. Vous allez peut-être dire un mot pour sortir. Non, parce que pour moi, c'est pas juste qu'on va dire un mot, c'est quelque chose qui est une épine au pied. Il faut absolument qu'on trouve une solution à cela. J'étais parmi les premiers à écrire sur la crise anglophone, n'est-ce pas ? Vraiment, dès qu'elle a éclaté, pendant ce temps, beaucoup de gens faisaient le déni de cette crise. Et moi, j'étais en train d'appeler pour, n'est-ce pas, un dialogue inclusif. Il y en a qui les appellent des terroristes. Moi, je ne les appelle pas des terroristes, je les appelle des sécessionnistes. Et je crois toujours à la force du dialogue. Il y a toujours une solution dès que les gens sont autour d'une table et commencent à dialoguer. Il y a toujours une solution, quel que soit le cas, quelle que soit la gravité du problème. Il y a toujours une solution, n'est-ce pas, lorsque les gens sont autour d'une table. Mais à ce stade, quels sont les éléments à mettre en place pour favoriser le dialogue? Qu'est-ce qu'il faut? Mais c'est d'appeler le dialogue. C'est d'appeler le dialogue, c'est-à-dire que... Oui, mais jusqu'à présent, tout le monde appelle au dialogue. Mais vous avez vu comment le dialogue... D'autres. Non, comment on appelle, c'est-à-dire les gens exhortent au dialogue. Mais il n'y a jamais eu... Et on organise le dialogue d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on envoie des fonctionnaires aller rencontrer des gens en ville, mais je vous ai déjà dit que ça, ce n'est pas ce que j'appelle un dialogue. C'est des gens autour d'une table, tout le monde se sentant concerné et on commence à discuter sur la base d'un agenda. On voit que dans une grande salle, à un endroit, tout le monde a appelé là, toutes les sensibilités de la population, les gens sont en train de parler de leurs problèmes. Parce que justement, si vous faites comme s'il n'y a pas de problème, parce qu'à un moment donné, les gens ont dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il n'y a pas de problème, pourquoi il y a dialogue? Et il n'y a pas de problème. Et vous appelez pratiquement les mêmes gens pour résoudre les problèmes, les gens à qui ont dit qu'il n'y avait pas de problème. Quand quelqu'un dit profondément, c'est-à-dire de sa conviction profonde, qu'il n'y a pas de problème, vous pensez que quand vous l'avez appelé, vous le mettez en une position de résoudre un problème, il va le résoudre? Quelqu'un qui a dit qu'il n'y avait pas de problème, ce n'est pas possible. Moi, je vais dire que il y a problème. Ça, vous ne pouvez pas dire qu'un malaise, une maladie dont vous ressentez les symptômes, vous avez des symptômes, vous ressentez les symptômes d'une maladie, vous avez tous les malaises par rapport à cela, et vous dites que non, il n'y a aucun problème. Vous-même, vous êtes en train de faire le déni de la maladie. À ce stade, avec les acteurs en présence, ce dialogue est-il encore possible? Le dialogue est toujours possible, à condition de... que la personne qui doit appeler à ce dialogue le fasse. Ce n'est pas les Nations Unies qui vont appeler les autres au dialogue. Les Nations Unies, c'est des gens qu'on appelle des facilitateurs de dialogue. C'est-à-dire que tous les externes, là, ce sont des facilitateurs de dialogue. Mais l'organisateur de ce dialogue, dans le cadre de notre pays, il y a quand même un responsable de ce pays, il y a un chef d'État. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on me pose la question. Vous direz que là, également, les largués? Mais c'est lui qui doit organiser le dialogue. Mais vous, c'est lui qui doit l'organiser. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous voyez des solutions qui sont un peu comme des espèces de, comment on va dire, c'est des palliatifs. Tantôt, vous apprenez que, bon, les gens en désespoir de cause, tel et tel ont organisé un dialogue, mais c'est vraiment un désespoir de cause. C'est qu'ils ont déjà tenté vers les gens qui doivent organiser le dialogue. Peut-être qu'ils n'ont pas réussi, ils ont été en désespoir, on va peut-être l'organiser. Après, vous entendez que les Nations Unies ont appelé, après, l'Union européenne a appelé. Mais dans le cas d'un pays comme le nôtre, celui qui aurait l'autorité, la légitimité, la légalité d'organiser ce dialogue, mais c'est le chef de l'État. Il doit l'appeler.
que tous les enfants du Cameroun, quelle que soit la sensibilité, s'assoient autour d'une table pour discuter de ce problème-là. Et vraiment discuter des problèmes sans, en toute transparence, en toute franchise, et qu'on essaye de trouver... Pour être concret, ça veut dire y mettre également la question de la sécession. Non, mais sinon, pour moi, ce n'est pas la question de la sécession. Vous pouvez la mettre. Mais moi, c'est la question de la forme de l'État. Okay. Oui, non, mais je l'ai écrit, c'est la question de la forme de l'État. Qui doit être, parce que je dis fondamentalement, comme vous avez dit tout à l'heure, on en est arrivé à cette situation, n'est-ce pas, à cause d'une forme de l'État qui est hyper centralisée. Il faut qu'on reste cohérent, moi je le suis. Je reste cohérent, je reste logique. J'ai dit, on est arrivé à cette situation à cause de la forme de l'État qui est hyper centralisée. Donc cette forme de l'État doit être discutée. Mais pas, moi, ce n'est pas le problème du fédéralisme à deux États. C'est moi, le fédéralisme, ça peut être cinq États, ça peut être dix États, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et il y a dit clairement, c'est la régionalisation qui vous intéresse davantage pour un meilleur épanouissement économique. Oui, oui, c'est ce que je pense. Merci, Christian Pendekoka. C'est moi. Bonne soirée. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir également suivi cette autre édition d'entretien avec. Nous étions avec... l'économiste conseiller technique à la présidence de la République, Christian Pendekoka, qui évidemment nous a une fois de plus fait l'amitié d'être là ce soir pour évoquer les questions d'intérêt national. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition d'entretien avec.